Une exposition photographique pour retracer l'histoire de la radiodiffusion télévision ivoirienne. Des visages souvent méconnus des plus jeunes, mais qui font sourire les plus âgés. Ancien directeur de la RTI ou ancien ministre de la Communication, tous réunis en images le temps de ces festivités. Plus loin, une toute autre exposition, celle de l'ancien matériel de la maison. Si c'est Mohamed Lamine, directeur des documentaires et fictions de la RTI, raconte leur histoire. Les participants n'ont pas manqué de saluer cette initiative. 50 ans dans la vie d'une entreprise comme dans la vie d'une personne physique, c'est très important. C'est l'âge de la maturité. C'est l'âge au bout duquel on s'arrête pour faire un bilan et faire une projection sur le futur. Et je crois que c'est le cas pour la RTI. Les festivités du cinquantenaire de la RTI courront jusqu'au 20 décembre prochain.